Au sacer, c'est très clair. Pour nous, et je le répète, il faut que ça soit bien compris comme cela. Sassou est une parenthèse de l'histoire congolaise. Je répète, Sassou est une parenthèse de l'histoire congolaise. Et puis bon, franchement, avec le respect que je le dois, ce grand monsieur Alain Akwala, déjà pour un moment, c'est pas un monsieur qui... Il n'est pas digne. Il n'est pas digne simplement parce qu'il s'aplatit devant Claudia Sassou Nguesso. Donc, ah oui, ça va être fimbo, na fimbo, toujours gaz, na gaz, chicote, bozoyoka. Je suis un journaliste qui a mis en panique. Ce que je suis un journaliste qui a mis en apologie, c'est qu'il y a une apologie. Il y a une politique qui est liquidité. Parce que il y a une politique qui est liquidité. Il y a une politique qui est liquidité. Sassou doit partir. La démocratie doit revenir dans le pays. S'il faut qu'on remette la constitution de 2012, on remet cette constitution. Parce qu'elle avait été votée par le peuple congolais. Journaliste Zalaka, mon poto, c'est mon bébé. Je suis sur la salle de 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 la. Je ne sais pas si vous savez ce qui est arrivé, mais ce ministre part en voyage officiel. Avec un décret officiel. Mais avant de monter dans l'avion, la fille qui n'est que conseillère du président décide que monsieur Akwala, vous ne partez pas. Rentrez à la maison. Il rentre à la maison. Donc, tout ce que Sassou fait, c'est pour nous endormir. Mais que Sassou sache que derrière ça, il y a les jeunes qui sont là. Les Congolais ne sont plus dupes. Hein. Hier, il pouvait se permettre beaucoup de choses parce qu'il y avait tous ces vieux-là qui sont autour de lui. Mais les jeunes sont là et ces jeunes-là sont déterminés. On ne les laissera pas faire. Politique, il faut avoir les codes. Il faut avoir les codes. Il faut avoir les codes de la PCT. Il faut avoir les codes. 6 codes. Pour nous, il faut avoir John Bennett dans la Mikili. Attends, il faut avoir les patrons. 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 Il faut avoir ça là. Pour parler politique, il faut avoir quelque chose dans la tête. C'est simple. Là, nous avons une personne, en l'occurrence Eugène Bouya, donc le petit frère du milliardaire Bouya, qui est le vrai premier ministre du Congo Brazzaville. Au lieu de se contenter des milliards que son frère détourne, non, on l'envoie, il devient directeur général du port. Donc, aujourd'hui, quand vous envoyez un véhicule au Congo, comme un conteneur ou autre chose, vous devez avant tout envoyer votre carte grise là-bas. Il faut la signature de ce monsieur. Et pour le faire, il faut 10 000 euros normalement, officiellement. Donc, pour le SACER, comme d'autres, il n'y a pas de problème de construction au Congo. Nous sommes décidés, nous sommes déterminés, Sassou doit partir. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord,
lelo na mission na biso vérité polele polele to kutana John Benit Nzaba. John Benit Nzaba, le sniper, celui qui terrorise la majorité présidentielle au Congo Brazzaville. Donc lelo ba pesi biso rendez-vous a on a katia wa boye to zo kutana to développer masolo o etali mboka azana ba dossier belai nango donc azo panza na vérité polele polele Brazza Paris Info, notre savoir-faire est devenu une référence. Donc awa boye ba sakana raté fimbo na fimbo toujours gaz na gaz. Ba chicote bozoyoka na moni ba journaliste amike mike ba bandi panique soko za journaliste banana na sapologie tika na sapologie ba kota na politique kilikilité parce que ba ngaba kota na politique boyoka ne basuka na deste ba komi mama na kufie mama na kufie na sali nini politique ba kota mo faut voir les codes faut ba to koti sa yo ne na kota na sa PCT ba kota na kota na ba code si code pour na kota na John Benit na sa mikili atamo la kilikiliza ya sa patron o mona e wapi amoninga na yota. Salaka masola banamike. Oza masola batali kolé puis faut avoir ça là pour parler politique, faut avoir quelque chose dans la tête. On passe aventurer comme ça pour venir parler politique petit. Oza mwana moké salaka ba buzo banéo ba mamba pamba pamba. Nakota na kati, nakota na le boss John Benit Nzaba, le patron de développer masolo après bromona. Na bosanité miso on a déjà toujours na ba pire master nga ba tout ba linga biso ba oyi ba yina biso. Louis Makaveli Bokambro mobala Mercedes. Jérémy Clotaire, il n'est pas dans Mercedes. Donc, on a bateau Oyoboye, bateau na biso ba linga rabiso. Toi, on a besoin de un tel. Non. Yo, on a besoin de vendre dans mon monde, qui me boule dans mes sana. On a besoin de mon côté. On a besoin de pauvre, on a besoin de pauvre. Laissez-moi dans ma pauvreté. On a besoin de 100 millions. Je n'ai pas besoin. Si on a sa pauvreté, je suis bien comme je suis comme ça. Brazza Paris Info, on reste toujours le média du peuple. Nous sommes toujours du côté du peuple. A très bientôt, chers internautes. Fimbo na fimbo toujours. Gaz na gaz. Brazza Paris Info. Tout le monde est d'accord. Donc, Oyo Boezali, la Rolls-Royce des médias congolais. Notre savoir-faire est devenu une référence au Congo Brazzaville et partout ailleurs. Les lobes de l'émission ont vu vérité pour les politiques Yamanani, le sniper de la politique congolaise, l'homme qui terrorise la majorité présidentielle, Tobengena Komboya, John Benit Nzaba, le propriétaire de tous les dossiers. Donc les lobes ont vu d'urgence à lobby, la Tindie, la détective, la Komboya, la télémara devant la porte, la voiture à noir, la filet qui est, la appel anonyme. Donc John Benit Nzaba a iko telemela bato na kona vérité pour les pesa bango réponse que malgré bo sala ba likopa mike mike wana John Nzaba il reste moi na poto avec la protection des Américains to na bo sala na kuna pamba ye penza seko kukungwendo. Donc le lobo to lobo masolo la constitution to lobo masolo ya Serge Bouya oyo boye soki a sombi banda ko soki a so yibaka mbongo na port. Tout le monde m'a rendu déclaration du président de la République, Denis Sassou Nguesso. Tout le monde m'a rendu bien émission à mission. Bonjour, monsieur John Benit Nzaba. Bonjour, mon frère, mon bébé ici. Bon, écoutez, vraiment, on vous remercie encore une fois de plus de nous faire confiance, de faire confiance à Brazza Paris Info. Certes, nous sommes les numéros 1 et les meilleurs sur la place de Paris. On n'a pas de concurrents, mais les preuves sont là. John Benit Nzaba, lesquels qui vous en veulent, qui vous ont mis les détectives privés devant chez vous et ici au bureau? Oh, monsieur Mbouissi, je crois qu'il ne faut pas qu'on perde le temps sur ça parce que moi, ce que je déplore simplement, c'est que c'est de l'argent de l'État congolais qu'on utilise. Hein, quand on met deux ou trois personnes à vous surveiller, vous savez bien combien ça coûte ici, c'est plus de 1500 euros par jour. Hein, donc, ils ont de l'argent à gaspiller, c'est ce que moi je condamne. Mais en dehors de ça, ils ne pourront rien faire. La machine est lancée. Ils ne pourront rien faire. Ce n'est pas en s'attaquant à moi ou en s'attaquant à quelqu'un d'autre, mais la machine est lancée. C'est le peuple congolais qui dira son dernier mot. Voilà ma position sur ça. Merci John Benit Nzaba. Donc, n'aimez pas ces réponses. Alinga, ça tardait dans ma futilité, dans ma connerie. Mais monsieur John Benit Nzaba, la déclaration du président de la République sur BBC, quelles sont vos impressions, s'il vous plaît? Écoutez, moi je reviens, nous revenons sur la même chose. Au SACER, c'est très clair. Pour nous, et je le répète, il faut que ça soit bien compris comme cela. Sassou est une parenthèse de l'histoire congolaise. Je répète, Sassou est une parenthèse de l'histoire congolaise. Donc, pour le SACER, comme d'autres, il n'y a pas de problème de constitution au Congo.
nous sommes décidés, nous sommes déterminés, Sassou doit partir. Sassou doit partir, la démocratie doit revenir dans le pays. S'il faut qu'on remette la constitution de 2012, on remet cette constitution. Parce qu'elle avait été votée par le peuple congolais. Donc, tout ce que Sassou fait, c'est pour nous endormir, mais que Sassou sache que derrière ça, il y a les jeunes qui sont là. Les Congolais ne sont plus dupes. Hein. Hier, ils pouvaient se permettre beaucoup de choses parce qu'il y avait tous ces vieux-là qui sont autour de lui, mais les jeunes sont là et ces jeunes-là sont déterminés, on ne les laissera pas faire. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord, mais monsieur John Milton Nzaba, passons à la deuxième question. Vous êtes venu, vous m'avez dit, vous avez des documents en ce qui concerne un certain directeur qui est au port, celui du guichet unique plutôt. Qu'est-ce qui ne va pas? Quelles sont les révélations que vous venez faire aujourd'hui sur Braza Paris Info? Ce ne sont même pas les révélations, puisque c'est connu de tout le monde. Mais notre devoir aussi, c'est porter cela aux Congolais, à tous les Congolais, pour que les gens comprennent ce qui se passe. Parce que nous sommes devant une famille qui a bâti tout un système pour vraiment, comme on dit, piller le Congolais, piller l'économie congolaise. Vous voyez, c'est simple. Là, nous avons une personne, en l'occurrence Eugène Bouya, donc le petit frère du milliardaire Bouya, qui est le vrai premier ministre du Congo-Brazzaville. Au lieu de se contenter des milliards que son frère détourne, non, on l'envoie, il devient directeur général du port. Et quand il arrive, qu'est-ce qu'il fait? Lui aussi, il faut qu'il mange, comme on dit vulgairement. C'est des lois, c'est des décrets qu'on sort. Et on sort un décret farfelu qu'on appelle le GUD. Donc c'est le guichet unique des opérations transfrontalières. Donc, aujourd'hui, quand vous envoyez un véhicule au Congo, comme un conteneur ou autre chose, vous devez avant tout envoyer votre carte grise là-bas. Il faut la signature de ce monsieur. Et pour le faire, il faut 10 000 euros normalement, officiellement. Mais on vous fait comprendre que pour 10 000 euros, ça se fait en 2 semaines. Il faut attendre plus de 2 semaines. Mais si vous voulez le faire en 2 jours, il faut donner 30 000 euros. Non, 30 000 francs. Vous voyez? Donc c'est toujours... Et vous direz oui, 30 000 francs, CFA, c'est rien du tout. Mais multipliez ça par le nombre de conteneurs, le nombre des véhicules qu'il y a qui arrivent au port. Et sachez-le, hein, si vous ne le faites pas, l'armateur ne prend pas votre véhicule ici ou bien ne prend pas votre conteneur ici. Hein. Donc c'est clair. C'est-à-dire qu'au niveau... Ils ont cette source-là, comment on appelle la diaspora, ils attaquent à ça. Il faut aller chercher l'argent chez la diaspora. Eux, ils envoient les véhicules, ils envoient les conteneurs. Donc c'est toutes ces pratiques-là. Et 6 mois après sa nomination, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? Il est venu acheter une maison ici. Il a une maison ici. Où nous voulons, le peuple veut savoir, hein, M. John Bennett, d'abord. Oh. Il a acheté une maison où, dans quel quartier, dans quelle ville? C'est ça. C'est à rue et mal maison. C'est pas ça. Moi, j'en sais rien, moi. J'en sais rien. Écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est qu'il a acheté une maison ici. Mais nous avons les dossiers. Ça ne sert à rien de détailler. Mais pour dire qu'ils le font, une maison, ça coûte rien. Mais pour vous dire déjà que... À peine arrivé, aussi jeune qu'il est, donc les premières choses qu'ils font, c'est ça, acheter des maisons, construire des maisons là, mais avec l'argent de l'État qu'ils prennent. Ces taxes-là ne se justifient pas. Ça va où? Est-ce que c'est pour aider une certaine frange de la population, dont les vieux par exemple, qui n'ont pas de retraite? Parce que c'est... À la fin du mois, c'est des milliards. À la fin de l'année, et tout ça va dans sa poche. Vous voyez? Braza Paris Info, tout le monde est d'accord. Quand on est au nous, la vérité, polele, John Benito Nzaba, celui qui terrorise la majorité présidentielle à Bengi Bissolissou,
na Sofitel pour Alex un message naé comme nous le disons notre souci majeur c'est de vous informer en toute impartialité. Braza Paris Info c'est un média qui s'adresse à tout le monde. Nous sommes ni de l'opposition ni de la majorité parce qu'on a ben dans ma toi na bino batwa combo confondre que marambo trop ce moment ngana bata PCT ou comme ta PCT. Au moment ngana mota opposition comme bata opposition non. Surtout ça la mosa na biso biso ba politicien ba client na biso. Abou Pia. John Benit nous a parce que tu me ba déclaration président de la République monsieur Denis Sassou Nguesso na BBC. Lui en tant que leader politique membre des assises, président du SACER. Qu'est-ce que vous en pensez, s'il vous plaît? Non, mais je reviens simplement pour dire que chez nous, par rapport à ce que nous disons depuis, je répète, je l'ai dit tout à l'heure, Sassou pour nous est une parenthèse de l'histoire. Il peut déclarer ce qu'il veut, un référendum ou pas, nous, l'opposition, la vraie opposition, nous l'attendons depuis un ferme. Mais je répète aussi, nous ne suivons pas son programme. Nous n'attendons pas que Sassou déclare qu'il va faire ceci. Notre objectif, c'est de le faire partir. Le faire partir sans condition. Parce qu'il est arrivé là par un coup d'État. Il doit partir pour que le Congolais retrouve une démocratie normale. Donc, il peut faire des déclarations par-ci, par-là. Nous ne sommes pas là. C'est clair. Et je vous dis, je vous le redis, toutes ces déclarations qu'il le fait, c'est pour embobiner les Congolais, simplement. Mais nous l'attendons au tournant. Qu'il organise le dialogue. Pourquoi il ne parle plus de dialogue? Qu'il organise le dialogue, qu'il fasse son référendum. Nous, notre seul but, c'est la rue. La rue parlera. Les Congolais vont parler. Ça, c'est clair. Nous travaillons pour ça. Aujourd'hui, nous sommes avancés. Hier, il y a beaucoup qui parlaient du dialogue ici. Ils se sont alignés. Parce que c'est la seule voie. Le Congolais doit être responsable. Le Congolais doit retrouver sa dignité. Nous nous battons pour ça. Et le système Sassou, il faut le faire partir. C'est clair et net. Voilà notre objectif. Mais écoute, merci d'être scotché sur votre site de référence www.brazaparisinfo. Nous allons marquer une courte pause publicitaire. À très tout à l'heure, chers internautes. D'être scotché sur votre site de référence
www.brazzaparisinfo. Nous sommes toujours avec notre invité, John Benit Nzaba, le président du SACER et membre des Assises. Mais monsieur Nzaba, moi j'ai reçu un ministre en fonction ici, son excellence Alakouala, qui prône la paix, qui dit que le président Denis Sassou Nguesso, c'est un homme de paix. Sous Pascal Issouba, le Congo était balkanisé. Au niveau de la main bleue, il y avait un port là-bas, là où le ninja récupérait l'argent. De l'autre côté, il y avait un pilar. Et à Moutabala, Makazu, là-bas, on ne payait pas l'électricité. Sassou Nguesso, c'est l'homme, c'est le bâtisseur, c'est l'unificateur du Congo-Brazzaville. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, John Benit Nzaba? Merci mon frère, mon BBC. Mais il faut qu'on soit aussi assez clair et qu'on ne nous dupe pas. Est-ce qu'un pays, on recherche la paix ou la liberté? Pourquoi ça se parle toujours de la paix? Qu'on nous parle de la liberté et de la justice. Ici, quand les djihadistes attaquent les Français ici, on ne parle pas de paix. C'est les libertés qui sont atteintes. Donc le problème du Congo, ce n'est même pas la paix. C'est les libertés. Pourquoi on ne parle pas de la justice? Parlons de la justice. Et puis bon, franchement, avec le respect que je le dois, ce grand monsieur Alakouala, déjà premièrement, c'est pas un monsieur qui... Il n'est pas digne. Il n'est pas digne simplement parce qu'il s'aplatit devant Claudia Sassou Nguesso. Je ne sais pas si vous savez ce qui est arrivé, mais ce ministre part en voyage officiel, avec un décret officiel. Mais avant de monter dans l'avion, la fille qui n'est que conseillère du président décide que monsieur Akwala, vous ne partez pas, rentrez à la maison. Il rentre à la maison et il repart au conseil des ministres comme si tout était normal. Ça s'est passé quand? Ça s'est passé au mois d'août. Parce qu'il était invité. Il était invité là où nous avions une conférence avec l'opposition, la table ronde de l'opposition. Il était invité, mais il accompagnait aussi officiellement le président de la République. Hein, je dis même Monsieur Sassou. Il accompagnait officiellement. Mais la fille a décidé que. Voilà. Donc quand ça s'aplatit comme ça, à la fin, on n'est rien. Donc aujourd'hui, c'est ce qu'on peut dire en patron. Moi, Namoussala. Aza, moi, Namoussala, Kaka. Tu comprends? Tout ce qu'il dit là, ça n'a pas de sens. Parce que c'est la contre-vérité. La vérité, c'est quoi? Je ne vais pas passer par les assassinats de 97, ou des années passées. Mais quand on revient sur 92, qu'est-ce qui se passe en 92? Il faut que les Congolais le sachent. Qu'est-ce qui se passe en 92? C'est Sassou. Lui, en partant, ayant perdu les élections, transforme la milice nationale populaire qui était dirigée par Ngakala. Il la transforme en cobra. Ce sont les miliciens. Donc la première milice est créée par Sassou. Ensuite, suit celle de Kolela. Donc quand on parle de Sassou qui aime la paix ou quoi, mais tout ce qui s'est passé au Congo, Sassou est à l'origine. Pendant cette période, 92, l'armée, il dépouille l'armée. Ceux qui viennent après, qu'est-ce qu'ils constatent? Il n'y a rien. Milongo n'est pas là pour le dire, mais ceux qui ont été avec Milongo savent qu'il n'y avait rien comme armée. Toute la logistique était transportée au nord là-bas, Oyo. Pour faire quoi? Et qu'est-ce qu'on a suivi? Ils ont créé, ils ont transformé cette milice populaire, de l'armée nationale populaire, de la milice populaire nationale, en cobra. Ils ont commencé à attaquer avec, en ayant formé donc par la suite les milices qu'on appelle les ninjas, qu'ils ont financé et puis aidé dans certaines opérations. Ce sont ces milices-là qui ont commencé à attaquer les partisans de Pascal Issouba à Bakongo. C'est les Pierre Rouba qui sont responsables de ça. C'est les Dabira. C'est les Mokoki. Lesquels transportent les armes pour amener chez les ninjas. Lesquels passent la nuit pour attaquer les maisons des partisans de l'Issouba
auquel on a mis des croix dans la journée. Pourquoi il fallait mettre des croix? C'est parce que ces gens-là venaient d'ailleurs. Ce n'est pas les voisins qui venaient tuer qui s'attaquaient à leurs voisins. Donc c'est les Mokoki qui a mené leur bande à eux pour venir s'attaquer aux partisans de l'Elisouba en faisant croire que c'est les ninjas. C'est ça la réalité. Et aujourd'hui, ce monsieur vient nous parler de ça. Et quand la guerre arrive, qu'est-ce qui se passe? Alors, vous prenez la guerre de 97. Elle commence où? Elle commence à Rwanda. À Rwanda, on tue les parents, le père et mère de Yombi Opango. On fait la chasse à la famille de Yombi. On fait la chasse au Kuyu. Au nord, hein, à Rwanda. Et dans leur descente, ils tuent tous les partisans. Partout, on savait qu'à tel endroit, il y a tel bureau de RDD, ils tuaient. Les mêmes personnes arrivent à Brazzaville. Bon, comme Sassou, c'est le dieu, il faut le laisser. Mais Sassou était dans une logique de coup d'État déjà. Puisque, entre-temps, avant le 5 juin, il y avait déjà des conteneurs d'armes qui venaient du Gabon, non? Fournis par sa fille Edith. Oui, il faut le dire. Edith a fourni des armes à Sassou pour tuer les Congolais. Les étudiants congolais, les jeunes congolais. C'est ça la réalité. Il peut se permettre de parler, de dire, il regroupe des gens, c'est des contes de vérité ça. Mais aujourd'hui, ils sont face à une jeunesse qui ne peut plus tromper. Sassou, nous le connaissons. Tout ce que nous voulons, nous, c'est qu'il arrête. Et aujourd'hui, nous avons bloqué partout. Il pouvait se permettre hier d'enterrer le cardinal vivant. Aujourd'hui, il ne peut plus le faire. Il faut que les Congolais le comprennent. Parce que toutes les bêtises de Sassou étaient autorisées par les Occidentaux. Mais aujourd'hui, les mêmes Occidentaux ne peuvent plus le permettre. Donc, que M. Alain Akwala arrête. Qu'il fasse ce qu'il a à faire, je sais qu'il a mieux à faire. On me dit qu'il est excellent pour les femmes, qu'il s'occupe des femmes. Mais qu'il arrête, il n'est pas digne. Un ministre, ça ne se court pas devant un conseiller. Voilà. Braza Paris Info, tout le monde est d'accord quand on est tout le monde. Ah, vous avez vérité pour les projets, tout le monde battait John Bennett, nous avons le sniper, celui qui terrorise la majorité présidentielle, le propriétaire de tous les dossiers, Azo Panzama Solo. John Bennett, tout à l'heure, nous avez dit, vous devez parler aussi des 20 milliards qui ont disparu à la SNPC. John Bennett, il y a un ami qui lit, il y a un en Afrique, il y a un monde qui est vraiment. Hein, John Bennett, le peuple congolais, il y a Mon cher, mon bébé, ici, hein? Ça c'est le travail que nous faisons tous. C'est tous les Congolais qui subissent et eux, ils croient faire les choses, ils croient qu'ils sont dans un autre monde. Mais rappelez à ces gars-là qu'ils sont sur terre et que tout ce qu'ils font est su, ça se voit. Aujourd'hui, c'est Christelle Nguesso. Mais ce n'est pas qui est le pire, hein, l'aîné. C'est le petit frère, Christelle Nguesso, qui est chargé de recouvrement à la SNPC. Mais dans leur manière de faire, qu'est-ce qui arrive? On met 20 milliards qu'on n'arrive pas à recouvrer. On fait comprendre qu'on n'arrive pas à recouvrer. Mais chaque année, c'est comme ça. Et à la fin, ça passe. Mais cet argent-là, il récupère ça. Ça va où? Toujours dans les paradis fiscaux. Ils ne jugent pas de ça. Vous voyez? Donc, je reviens, comme je disais dans les émissions passées, c'est une famille qui terrorise les Congolais. Mais aujourd'hui, cette famille-là, qu'elle sache que tout ce qu'ils font, tout ce que cette famille-là fait, les Congolais sont là pour dénoncer cela. Et ça se fera de plus en plus parce que c'est-à-dire que les Congolais en ont marre. On ne peut pas continuer. Le Congo doit être le Congolais à construire. Avec 20 milliards, on fait beaucoup de choses.
Avec 20 milliards, on fait beaucoup de choses. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure de Bouya, de Eugène Bouya, le petit frère de Bouya. Hein, tout à l'heure, je me suis trompé, c'était, on en avait parlé de Roy Malmaison, mais c'est plutôt Maison Alfort. Hein, Maison Alfort, ça, il faut tenir à retrouver parce que pour que ça soit précis, c'est à Maison Alfort qu'il a acheté une maison. À peine arrivé, 6 mois après sa nomination. Donc, il s'efforce, hein, il est dans la course. Il s'efforce à rattraper les autres. Hein, donc, mais vous imaginez. Donc, nous sommes là devant, comme je dis, une famille qui, vraiment, comme on dit, qui est là pour saigner le Congo, qui est là et nous ne devons pas attendre. Les Congolais doivent être conscients pour dire que non. Vous leur donnez même 1 an de plus ou 2 ans de plus, c'est la mort. Il n'y a pas d'hôpitaux, il n'y a rien du tout. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Ce n'est pas leur problème. Mais je dis simplement, avec 20 milliards, on fait beaucoup de choses au Congo. Mais monsieur John Benito, nous voyons quand même, moi je suis la télé, il y a quand même des avancées. Là j'ai vu, il y a quand même une corniche qui sera livrée dans pas longtemps. Il y a les stades de Kintélé, il y a beaucoup de choses quand même. Le président de la République travaille, c'est comme ça que nous pouvons le dire. Mais vous qui êtes à l'opposition, vous niez toujours tout ce que le gouvernement fait. Pourquoi vous êtes toujours là en train de nier le travail du gouvernement, monsieur John Benito? Mais monsieur, on ne nie pas. Quand c'est fait, c'est fait. Mais déjà pour le moment, je vous dis simplement, ces infrastructures-là sont construites avec quel argent? Ce n'est pas l'argent de l'État congolais. C'est pas l'argent de l'État congolais. Cet argent de l'État congolais, ils envoient ça dans les paradis fiscaux. Ça, c'est la Chine, c'est les Chinois qui mettent cet argent. Donc, le problème, ce n'est même pas ça. Ce que le Congolais veut aujourd'hui, c'est avoir de l'eau, de l'électricité, c'est ça la première chose. Donc, on arrange d'abord ça. Un stade, bon, je ne sais pas, ça, il sera livré d'ici là. Qu'est-ce que les Congolais vont gagner? Mais qu'on donne de l'électricité aux Congolais quand même. Le minimum vitable, quand même, c'est tout ce qu'on cherche. Le reste peut se faire. Et pour ces routes-là, quelle est la nécessité de construire des petites routes alors que nous sommes dans... Il parle de 2050, la vision de 2050. La vision 2050, quand vous allez au Qatar, vous allez dans les autres pays, c'est, vous avez des routes de 6 voies. Hein? Ils ne sont plus à 3 voies comme en France ici. Des autoroutes, 6 voies. Hein? Donc quand on a une vision, comme les Akwala viennent parler pour dire demain les zones industrielles, c'est faux. Qu'on aide les gens, il y a du cacao là-bas, il y a des palmiers, il y a beaucoup de richesses qu'ils investissent. Que ce Serge, que ce Eugène Bouya prenne ses 20 milliards à investir dans le cacao. Pouvez-vous, est-ce que c'est vraiment normal que dans un pays comme le Congo, où il y a encore du cacao, que ça périsse, que ce soit les Camerounais qui viennent chercher ce cacao-là? Mais aidez quand même ces paysans-là. Et là, c'est au nord. Aidez les palmiers, comment on a créé des palmiers dans le nord du pays. Qu'est-ce qu'ils auront fait à part voler? Qu'est-ce qu'il y a au Oyo? Quelle industrie il y a au Oyo? Donc, il y a, comment s'appelle ça, NG Production? Mais NG Production, mon frère, toi et moi, nous savons que avec 20 milliards, vous créez une industrie qui va employer plus de 100 personnes. Pourquoi ils ne le font pas? Pourquoi ils ne le font pas? Ils peuvent le faire. Ils ont l'occasion de dépêcher des gens ici, là. Venez, bon, on veut construire Oyo, on va mettre des industries. Ils viennent parler des zones. Des zones du... ça, c'est quoi ça? Ça, c'est la fumée aux yeux. C'est la fumée aux yeux. Qui donne l'eau, l'électricité, le minimum aux Congolais, et le reste se fera tout seul. Mais nous, c'est pour ça que nous disons que nous voulons que Sassou parte. Et en 2 ans ou en quelques années, nous allons démontrer aux Congolais que, avec le peu qu'il y a ou bien qu'ils vont laisser, je sais qu'ils ne laisseront rien, mais nous avons aujourd'hui des contacts qui vont nous permettre de démarrer, de faire redémarrer l'économie du pays dès leur départ. Donc pour ça, ça se part aujourd'hui. Même s'ils laissent les caisses vides, nous, dans 2 ans, l'économie du Congo reprend bien plus. Voilà. Merci John Benito Nzaba. Mais nous voulons savoir, nous qui sommes le peuple congolais,
Brazza Paris Info, je suis la voix autorisée de la diaspora congolaise. Aujourd'hui, de la diaspora, bah, comment la Brazza Paris Info. Quelle est votre vision à vous, le SACER, M. John Benet Tamba? Le peuple congolais vous écoute. Notre vision est très simple et c'est clair. Nous l'avons toujours définie dans nos écrits, partout où nous passons. Pour nous, le Congo de demain, c'est un Congo libre et juste. Voyez, un Congo libre et juste où chacun de nous se retrouve. Eux, ils parlent de la paix. Nous, nous parlons de la justice et de la liberté. Ça veut dire que chacun de nous doit savoir où sa liberté s'arrête. Une fois que nous allons respecter ça, nous allons mettre ça en pratique, tout le reste se fera. Parce que le Congo aujourd'hui, avec toutes les mœurs qu'il y a là, il faut remettre la justice en avant. Remettre la justice en avant, c'est tout. Il n'y a pas à chercher autre chose, mais juste une justice libre et juste. Donc, c'est à partir de cela que vous verrez vous-même que les hommes intègres, voilà, c'est ce qu'il faut au Congo. Les hommes intègres vont se retrouver pour construire ce pays-là. C'est ça notre vision de demain. Nous pensons qu'avec en mettant en avant la justice, la liberté, tout se fera. Parce que nous ne serons pas comme des conquérants pour dire non, un tel doit, on décide que non, Bouyav doit aller en prison. Non, c'est pas ça. Bouyav reprendra ses faits devant la justice. Si on arrive, et une justice juste, comme on dit, libre juste. Si on arrive à constater que ses faits sont avérés, il est puni selon la loi. Et c'est cet exemple-là qu'on donnera pour qu'on change et qu'on retrouve les mœurs. Les bonnes mœurs du Congo. C'est simplement ça. Il n'y a pas de fétiche, il n'y a rien à faire d'autre que mettre en place la justice et la liberté. C'est tout. Nous avons ici, il faut le reconnaître. Il y a des avocats, il y a beaucoup de jeunes qui ont créé des sociétés ici. Il y a tout. Le Congolais est entrepreneur. Mais laissez-lui cette liberté. De vendre des archives, de faire ce qu'il veut, laissez-lui cette liberté. Voilà notre vision de demain. Merci John Benito Nzaba, le président du SACER. Nous arrivons pratiquement au terme de notre mission. Merci de nous faire confiance. Brazza Paris Info, notre savoir-faire est devenu une référence. Les lobos, tout le monde est d'accord, le peuple congolais est d'accord. Mais vu que non, journaliste Azalaka, mon con apote, c'est mon baby. Je suis un peu plus de temps. Journaliste à la moto, ou il y a intègre. Journaliste à la partie prite. Il y a un vieux dans la PCT, il y a vieux dans l'opposition, il y a communication à bout, pia. John Benet, nous avons arrivé à la fin de notre émission. Donc vous avez 5 minutes, s'il vous plaît, comme vous le savez très bien. Vous devez dire tout ce que vous avez dans votre cœur au peuple congolais, en français, en lingala et en kitiba, parce que cette émission, comme je dis toujours, nous incarnons l'unité nationale. Donc, nous sommes en train de se faire un peu de temps pour que nous puissions nous faire un peu de temps pour que les médias prennent l'unification du peuple congolais. Donc, John Benet Nzaba, Panza na Lingala, Panza na Munukutuba, Masa na Ngatou, Baza na Kota ba Kelekuna, Baza na Kota ba Mosaka, Baza na Bundji, Baza partout, Baza na Bala, Bayokayo, Masa na Baza na Bantingidi, na Baludjima, na Baminduli, na Balulombo, na ba Pointe Noire, na frontière à Kabinda, Bayoka John Benet Nzaba, 5 minutes, John Benet, Panza Masolo. Non, merci Mingi. Non. Dans le bas, Makambo, toujours, il y a beaucoup d'abissos. Dans le Yoki ministre, Moko, allez à quoi là, Azo, les cas partout, dans le Moka, dans les médias, Azo, le bas, non, Sassoun, que ça, Azam, monter à la paix, ce qu'il y a à quai, il n'y aura pas de paix, vous allez atteindre. Non. Sassoun, que ça, à quoi que vous allez monter à la paix, parce que, ni y est, à Bomaki, Batona au Wando. Nié a provoqué guerre de 5 juin. Hein? Nié a provoqué guerre il y a 93-94. Il ne peut pas être l'homme à cause de la paix. Mais Nalobi Mingi dit
bana mai botelema bako sabinote botelema mboka 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 wana eza mboka ya biso nyoso botelema to sala Congo to botelema to développer bakoto nyoso ya Congo basala ba industrie tozana ba contact tozana nyoso pour que Congo ezala bien bazoko sabino soki sasoa ke gouvernement ya soki vraiment peuple abondi pour a sala que bato bakoyaka bazala vraiment bato ya bien en 2 ans 3 ans beaucoup de monde a changement donc makamo yo ezama makamo ya biso nyoso ezama makamo ya le sud et le nord non bozana na bon maté nous en avons monté Congo et ça y a bisounyonso. Nous sommes là, et ça le nord, bah école, bah tu as le nord, nord et ça bien, non. Bah tu as bah y est comme il est dans le nord, bah école et ça t'es. Donc, Congo et ça y a bisounyonso. Botika ba aller à Kuala te ba lo makamba kele ke ba pesi ba futa ba bato 2000 francs mais 2000 francs c'est quoi on se moque des gens hein bo yi bo regouver bato non azo pas ma sango le kuta même hein moto wana soka za vraiment vrai moto nga na invité ya asala de bananga asala de bananga parce que histoire yona ye azo loba esa histoire ya faux. Ils ont fausse histoire. Sassou Nguesso a sa moto qui trouble la paix au Congo. Et puis il y a toujours paix. Non. Il faut aller justice la liberté. Parce que Niwana est ça la paix. Mais un pays où il n'y a pas de justice, il n'y a pas de liberté. Mais ça veut dire que la paix est athée. Donc, Tobunda, pour que Mbokewana ait la justice et la paix. Liberté, justice. Liberté, justice. Tosuke Kawana, Makambo, Ezol, Leka, Sassoua Kokende, ne rêvez plus. Donc, Banamaye, Bokota, dans le système. Rentrer dans le système, c'est la dignité. Bobunda pour la dignité de la Bino. Voilà. John Benit Nenga Lobi Bobunda pour la dignité de la Bino, c'était le mot de la fin. Braza Paris, il faut tout le monde est d'accord. Donc il faut que ça toujours moter la bateau où il va soutenir Kibiso de loin ou de près. De beau sanité Pulcheri, Huguette Maumou Narati Australie, Narati Australie, de beau sanité Jérémy Clotaire, le cardiologue canadien, Sosta Balada, Louis Makaveli Bokambro, Gentini Mbaka, le ministre, le président Ima et Aya Desampe, Derim Klomote Bampebe, Yadidi Kinouani. De beau sanité toujours vieux, Masamba Kinouani, merci à trop. Naba Oyotu Balingarabson, Naba Oyo Nambosani Bakombo, Bozaka Ebele, Pirvien Nangaï, Jean-Daniel Ovaga, le boss de Securex, Son Excellence, le Sakou Atro. Merci à trop, merci. Restez connectés sur Braza Paris Info, Aoba Information, Ezalaka La Source, Aoba Intox et Elakate, ceux qui montent à l'objet du Kambo, de quoi nous caillons à y répondre. John Benita a un message à repasser. John Benita lobby Maramonae. Donc demain, si un membre du PCT, juste prudence au Kosovo, nous contredire John Benita, Braza Paris, il faut nous sommes là pour éclairer le peuple congolais et non inciter à la haine. C'était le mot de la fin. Peuple, il faut Teyama. Braza Paris, il faut tout le monde est d'accord.